m'appelle Audra Reynaud, je suis chef de produit pour les vignobles Foncalieu. Les vignobles Foncalieu, c'est une union de coopératives de 650 vignerons sur 4000 hectares dans le sud de la France. Nous sommes situés le long de l'arc méditerranéen, au cœur du Languedoc-Roussillon. 70% de nos ventes se font à l'international. Nous nous attachons à produire des vins de qualité, marqués par la fraîcheur et par la buvabilité. Le château Augléon a rejoint le groupe en 2012 afin de booster notre stratégie de montée en gamme. C'est devenu aujourd'hui le fleuron des vignobles Foncalieu. C'est un château qui a une histoire très ancienne puisqu'il a été construit au XIIIe siècle. Il est situé sur la commune de Villesèque-des-Corbières, près de Narbonne. La propriété fait 260 hectares, dont 35 hectares de vignes. Nous produisons en majorité des rouges sur le domaine, à près de 80%, en AOP Corbière et en IGP Vallée du Paradis, mais le domaine est connu historiquement pour la qualité de ses blancs. Depuis l'acquisition du domaine, nous avons restructuré le vignoble, nous avons optimisé aussi les conditions de vieillissement des vins, en rénovant le chai et en travaillant sur une sélection de barriques qui permettent de, toujours dans cette même idée, de valoriser ce terroir si singulier dans les Corbières en révélant la fraîcheur et la finesse de nos vins. Donc ces efforts qui ont été faits à la vigne et au chai devaient s'accompagner par une réflexion globale sur l'identité des produits de la gamme et sur ses packagings. L'objectif, c'était de repositionner l'offre en affirmant sa montée en gamme sans perturber le consommateur final. Il fallait réécrire son storytelling en s'appuyant à la fois sur son histoire et sur l'identité du domaine et in fine développer nos ventes. Nous travaillons au niveau groupe à la premiumisation de nos produits et de notre image et donc le relooking de l'offre Augléon s'inscrivait parfaitement dans cette démarche. C'est dans ce contexte que nous avons fait appel à l'agence API. La vision du marché du vin pour API, plus spécialement le marché du vin en Languedoc, c'est qu'en fait, depuis près une vingtaine d'années, le moteur qui a animé les producteurs était tourné vers la qualité. Puisque le Languedoc et plus largement l'Occitanie pâtissaient d'une image peu qualitative par rapport à ses produits. Après 20 ans de travail acharné, la qualité des vins du Languedoc est reconnue dans le monde entier. Aujourd'hui, dans ce marché extrêmement concurrentiel, pour pouvoir lancer des success stories, les marques ne peuvent plus se passer des leviers du marketing. Pour pouvoir mener à bien cette mission, nous allons devoir entrer en intimité avec le produit, de la naissance du produit à sa mise en marché. Nous allons déguster le vin avec le winemaker, nous allons avoir aussi des entretiens avec le service commercial pour comprendre la manière dont ils abordent les marchés. Nous allons également aller à la rencontre du territoire, aller à la rencontre du vignoble. Et une fois qu'on aura vraiment saisi toute cette expérience du produit, qu'on aura collecté toutes ces informations, nous allons être en mesure de dresser la plateforme de la marque. Ça va être le socle sur lequel la marque va pouvoir exprimer ses promesses, ses valeurs, ses ambitions, son prisme et in fine définir son storytelling. Travailler sur le château Augléon, c'est un plaisir parce qu'il y a tellement de marques où on est obligé d'inventer un peu des histoires imaginaires. Ici, on a un patrimoine absolument exceptionnel dans lequel on a énormément de choses à puiser. Ça nous permet de définir une plateforme de marque qui s'appuie sur trois valeurs fortes et légitimes. L'histoire d'abord, mais l'histoire avec un grand H parce que l'histoire du domaine se confond avec l'histoire du Languedoc. La noblesse, mais ici, quand on parle de noblesse, c'est davantage une noblesse de robe ou une noblesse de troubadour qui emprunte à la poésie, qui est une noblesse de raffinement, qui est une noblesse de culture et qui fait écho à la qualité des vins qui sont produits sur le domaine. Et la troisième valeur phare de la plateforme de marque, c'est la modernité, puisque même si ce domaine existe depuis la nuit des temps, même s'il y a une chapelle sur le domaine qui date du VIe siècle, qui a été fondée par des Visigoths, en réalité, aujourd'hui, les vins qui sont fabriqués, élaborés sur le domaine, sont des vins qui correspondent absolument au goût actuel du public. On a des vins qui sont très buvables, des blancs qui sont très frais, très agréables, et on a le haut de gamme qui a obtenu une note de 90 dans le guide Parker. Donc on a vraiment des vins qui sont d'une très très grande qualité. À partir de là,
On a également établi un positionnement qui est ici, les Corbières se font légende. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on est face à, très clairement, à un grand vin du Languedoc, qui a une histoire qu'il a vécue, mais qui est également une histoire à raconter. Et c'est pour ça que nous avons développé une plateforme de marque qui s'est appuyée sur le plan visuel, sur de la recherche de légitimité et s'appuyer absolument sur la richesse de tout ce que pouvait nous donner le domaine en termes d'inspiration graphique, mais également nous avons souhaité raconter une histoire dans laquelle la progression dans la gamme de vins se fait en analogie avec une progression sur les terres du domaine, le territoire, le château, la vallée du paradis. Domaine Auglion, IGP Vallée du Paradis. Il en faut des virages dans la Fournaise et la Rocaille pour enfin, au détour d'un chemin, pénétrer la Vallée du Paradis. Soudain, les coteaux s'écartent pour offrir aux visiteurs un cirque enchanteur bercé par le chant des cigales. Le domaine Auglion, c'est la fraîcheur retrouvée après la route harassante. C'est l'apéritif entre copains dans l'insouciance de la jeunesse. C'est un repas en famille auquel chacun peut se joindre sans chichi. Tout y est soif et légèreté. Ce vin est à la fois une récompense et la promesse d'un avenir meilleur. Bienvenue au domaine. Concernant le domaine Auglion, c'est le premier vin par lequel on entre dans toute la gamme du château Auglion. Donc le travail qui nous a été demandé, ça a été de relooker et de repenser la gamme. À partir de là, nous, notre premier travail, c'est d'analyser l'existant. Quand on a vu l'étiquette du domaine et qui existait, on s'est rendu compte qu'elle correspondait à la manière dont nous, on pensait la suite de la gamme. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, elle portait déjà tous les capteurs, tous les messages qui officiaient dans la manière dont nous, on allait repenser la gamme. Donc à partir de là, le premier travail qu'on a dû faire, c'est vu le changement de flacon, donc on a dû adapter le format de l'étiquette à ce nouveau flaconnage de type bourguignon. Et ensuite, nous, on a voulu créer le lien justement entre ce passé, cet historique, cette histoire, et l'ancrer dans quelque chose de plus actuel. Donc à partir de là, nous, les curseurs sont très légers. C'est-à-dire qu'on va juste récupérer les dessins existants, on va lighter le tout, on va s'amuser avec les bords, on va utiliser des nouvelles typographies, c'est-à-dire qu'il y a un bloc marque Domaine Auglion que nous, on a voulu garder, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était marqué, et ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on se doit justement de créer le lien, la continuité. Mais ensuite, on s'amuse, nous, des fois, avec d'autres typographies, c'est-à-dire on va utiliser des typos empattement, c'est-à-dire l'historique, et ensuite des typos linéales, quelque chose de plus moderne. On a lighté un peu le tout, ce qui nous fait au final une bouteille qui est actuelle, qui ne renie pas son passé, et quelque chose voilà, qui est élégant comme le vin qui est à l'intérieur. Source de Gléon. Les sources de Gléon est le fier représentant des caractéristiques principales du château Auglion, dont il est le second vin. Il constitue la parfaite introduction pour le néophyte au secret du château. Il permet d'en explorer les contours, d'en découvrir les reliefs, de flâner dans ses jardins en écoutant le murmure des fontaines, d'en humer les promesses à l'ombre des palmiers, de s'éblouir au reflet du soleil sur les vitres de l'orangerie. Alors, les sources, c'est pas un relooking. Les sources, c'est-à-dire que c'était un vin qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient domaine et château, et il y a eu l'envie de la part de Château Auglion d'avoir un second vin. Le second vin qui est souvent décliné du premier vin. Donc là, à partir de là, nous, on est arrivé sur quelque chose de totalement vierge. Vierge entre guillemets, parce que quand on arrive sur le domaine ou le Château Auglion,
La première chose qui frappe, c'est que du moment où on a passé cette fameuse route, on arrive devant le château, et là, il y a beaucoup d'eau. Il y a des bassins, il y a des fontaines. Et donc, la notion des sources de Gléon, déjà le nom, nous est apparu comme une évidence. On avait hésité entre deux noms, mais c'est les sources qui a eu le, comment dire, qui nous a tous plu et emballé. Et à partir de là, pour créer cette étiquette, en fait, nous, ce qui nous intéresse dans le processus créatif, c'est la légitimité. Quand on a un lieu qui est historique, on ne va pas s'amuser à inventer ou à prendre des choses qui... Non, nous, ce qu'on fait, on est venu sur place et il y a une très belle fontaine avec une tête alors de Jupiter, de dieu marin. Donc l'idée, nous, ça a été de récupérer, d'en créer un petit blason. Et ensuite, ce qui nous plaisait, c'était cette pierre qui avait beaucoup de matière, un rayonnement, la pierre était striée. Donc là, il fallait que nous, on arrive à retranscrire cette notion de toucher sur l'étiquette. Donc à partir de là, on rentre dans quelque chose qui est assez technique, c'est-à-dire on a fait un choix de papier qui est assez épais. C'est une bouteille qui se voit déjà, qui est élégante, mais qui se touche. C'est-à-dire qu'on a voulu recréer la sensation du toucher de la pierre sur l'étiquette. On a fait ce qu'on appelle un film à chaud mat galbé, mais là c'est quelque chose qui nous permet de donner de la matière au papier, c'est-à-dire on le restructure et ensuite pour accentuer cet effet de rayonnement, on a légèrement soutenu ça avec une teinte de noir. Donc c'est une bouteille voilà, qui est très élégante, qui se laisse autant découvrir par les yeux, par le toucher et ensuite bien sûr par le goût. Château Augléon. Derrière de hautes murailles de pierre, voici le but de notre visite. Le fier château déploie son plan et ses ornements aristocratiques en invitant le curieux à découvrir un lieu chargé d'histoire. Comme autrefois, les seigneurs de Gléon régnaient sur ce bout de Languedoc, le château s'impose comme le gardien d'une tradition séculaire. Ne cherchez plus. Vous avez trouvé le plus emblématique des Corbières, puissant et raffiné, fils de la terre où il a grandi, parfaite expression d'un noble terroir. Le château, c'était le vin mythique d'Augléon. C'est quelque chose qui nous, dans l'agence, on en avait déjà entendu parler, pour certains l'avaient déjà goûté, donc qu'on a été missionné pour justement s'attaquer à ce petit mythe des Corbières. Et la première chose quand même à voir, c'est ce flaconnage, c'est-à-dire qu'il y a une bouteille qui est en elle-même mythique, c'est une bouteille qui puise ses sources dans un vieux grenier du château qui a été récupéré, ils en ont fait un moule pas tout à fait identique parce qu'il fallait qu'il convienne à la centilisation de maintenant, c'est-à-dire 75 centilitres, mais on se retrouve avec une bouteille avec des épaules très larges, une bouteille assez atypique. Donc nous, à partir de là, la première chose qu'on a dit, c'est cette bouteille, on la garde, c'est un des marqueurs clés de Augléon, ça on n'y touche pas. Ensuite, l'étiquette d'avant était assez placard. Elle commençait à être un peu vieillotte. Mais l'idée, nous, on a voulu garder le même type d'étiquette. Par contre, on a affiné, on a joué sur quelque chose. On a voulu faire parler la bouteille en elle-même. Et donc, l'étiquette, nous, on l'a affinée. Et donc là, on s'est plongé dans les archives et on a cherché, fouillé et on a trouvé les vieilles armoiries de la famille Gléon. Et à partir de là, on a redessiné un blason qui a été existé. Hein. Le blason est composé des armoiries qui sont composées de bandes et certaines composées de chevrons. Et c'est le mariage de ces deux familles qui ont fait les nouvelles armoiries de la famille Gléon. Donc nous, à partir de là, le premier travail qu'on a fait, c'est retravailler ce blason et retrouver la légitimité qui était la sienne. On n'a pas touché au bloc marque Château Gléon, comme on a évoqué, ça c'était un des marqueurs clés, donc ça on l'a gardé. Mais je veux revenir sur le chevron, parce qu'ensuite, l'étiquette, on a voulu la travailler tout en finesse. Donc à partir de là, on a voulu créer un décor, mais on voulait que ce décor soit légitime. Donc on s'est dit que le chevron était un des points qu'on pouvait utiliser. Et donc on a travaillé ce chevron, on en a créé un motif, et donc c'est lui qui habille tout le tour de l'étiquette et qui fait le décor. On reprend la manière graphique dont était composée l'ancienne étiquette, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaissait l'ancienne étiquette Augléon, on n'a pas voulu qu'il soit non plus complètement déboussolé, donc on a repris un équilibre, sauf qu'on l'a travaillé de manière beaucoup plus subtile. Et comme à la manière des sources,
Là, on travaille avec quelque chose de très fin. C'est un film à chaud mat galbé, donc qui nous donne un peu de repousse, qui donne du relief. Et comme j'évoquais tout à l'heure, c'est des bouteilles qui se laissent, oui, déjà par les yeux, qui sont intéressantes. On les touche, il se passe quelque chose, et on les goûte et on est conquis. Notre-Dame. Comme tout lieu chargé d'histoire, le château Augléon recèle un trésor réservé aux seuls initiés. Nichée en contrebas, entre deux parcelles de vignes, sa chapelle du VIe siècle scelle le serment des amants wisigoths fondateurs de la dynastie. Ce chant d'amour est devenu un vin qui incarne à lui seul toute la force et la douceur du sentiment universel après lequel court toute l'humanité. Nul ne sait quels sont les secrets venus du fond des âges cathares qu'il invoque, mais chacun, en son cœur, en ressentira les bienfaits. Notre-Dame, c'est quand on voit le château, il y a une petite chapelle qui est un peu éloignée au fond des... De ces jardins. Et Notre-Dame, c'est ça, c'est ce vin qui doit se mériter. Donc là, pour travailler Notre-Dame, on a voulu travailler justement l'élégance, on a voulu travailler la finesse, on a voulu être très subtil, on a voulu quelque chose qui se laisse découvrir, quelque chose qui est assez sensible. Donc l'idée, c'était de garder le même flaconnage, hein. Donc ça, c'est un des marqueurs forts de Augléon. Donc ça, on l'a pas touché, on est resté fidèle à cette bouteille. Ensuite, la manière dont on a travaillé l'étiquette, on y a amené un peu de rondeur, un peu d'élégance, un peu de finesse, un peu de féminité par une découpe, hein. Donc c'est ce qui est intéressant quand on travaille les métiers du vin, c'est qu'on est en contact avec les imprimeurs. Et pour moi, c'est important quand même ce travail que font les agences. C'est un métier d'artisan, d'art. Il y a tout ça qui se mélange, c'est-à-dire qu'on est en contact avec le papier, on est en contact avec ces personnes qui travaillent derrière les imprimeries, c'est des personnes qui sont en bleu de travail, mais c'est des personnes qui vont vous aider à arriver à la finesse que vous voulez. Bon, ça c'était la petite aparté, mais c'est important parce que quand on appréhende une étiquette, si on n'est pas dans le processus créatif et qui va de la conception à la fabrication, on loupe des étapes, c'est-à-dire que entre ce qu'on a dans la tête et la manière dont on peut le transcrire techniquement parlant, on a besoin de ces gens terriens, ces gens qui aiment le papier, qui aiment l'encre, il y a des odeurs, Et quand on voit d'où ça sort et qu'on arrive à sortir cette finesse, c'est assez surprenant. Donc là, pour en revenir quand même sur Notre-Dame, on a beaucoup travaillé avec des décors châteaux, des ornementations. On s'est baladé pareil dans le château, on a vu certains décors, certains petits dessins qui restent encore. Et à partir de là, nous, on a retravaillé. On a retravaillé de manière assez symétrique, pour avoir quelque chose d'assez central, une lecture assez facile. On a retravaillé le petit blason chapelle. Donc le travail, ça a été d'amener de la finesse, toujours pareil, hein, mais ce procédé de repousse, c'est quelque chose qui se touche plus qu'il ne se voit. C'est comme une belle étoffe, un tissu, mais c'est au toucher souvent qu'on se rend compte de la qualité. Et ensuite, on a retravaillé la capsule, pareil, en argent, où on retrouve ce petit blason de la chapelle avec les cyprès qui sont à côté. Donc voilà, on a voulu en faire une bouteille très élégante qui se retrouve sur une belle table, qu'on est ravis d'ouvrir, qui fait plaisir. La mission a été parfaitement relevée par l'agence API. La nouvelle gamme a été lancée sur ProWine 2016, qui est le plus gros salon dédié au secteur du vin dans le monde.
La première conséquence immédiate, ça a été la réappropriation de la gamme par les équipes commerciales, ce qui a eu pour effet de développer les ventes. Sur 2016, on a connu une hausse des volumes de près de 13%, à la fois sur la France et sur l'export, par rapport à 2015. En particulier, donc à l'export, la gamme Domaine a été bien développée. On a eu plus de 23% en volume, avec un boom particulier sur les USA et sur l'Angleterre. Sur la gamme Château également, on a eu plus 7% de volume à l'export en 2016 avec un développement en Belgique et aux US en particulier. Nous sommes d'ailleurs très régulièrement en rupture sur nos blancs et nos rosés actuellement. L'effet positif s'est aussi fait ressentir sur l'activité de nos tourismes puisque les réservations des nuitées en 2016 ont augmenté de 5%. En termes d'image, à partir de ce travail, nous avons pu accentuer notre communication sur Château Augléon, qui a bénéficié de nombreuses retombées presse, dans la presse grand public, mais aussi dans la presse professionnelle, en France et à l'export. Nous sommes entrés cette année dans le cercle très fermé des 50 marques de vin les plus renommées au monde, qui est établie par la revue spécialisée Drinks International, une récompense qui est très importante pour les vignobles Foncalieu. Et bien sûr, le travail qui a été effectué sur Château Augléon est fortement lié à cette récompense.